C'est votre rencontre avec un acteur mythique, un acteur que moi qui m'a beaucoup fait rêver, qui tout au long de sa carrière, avec des choix de films, avec une intégrité, avec une magie, des films incroyables qui parsèment sa filmographie. Je veux pas parler plus longtemps, mais voici Monsieur Matt Dillon. Et Pierre-Philippe. That's your chair, you see? OK. Je te prends le micro, merci. Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça vous a plu le film? Oui. Film à petit budget, film étonnant qui nous plonge dans la vie au fond de Charles Bukowski par l'intermédiaire de son alter ego, le fameux Chinaski, celui qu'on trouve dans tous les romans de Bukowski. J'aimerais qu'on démarre, si vous le voulez bien, Matt Dillon, avec ce film-là, avant d'évoquer d'autres aspects de votre carrière. Tout d'abord, sur ce film-là, pour Factotum, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce film? Est-ce que c'est raconter l'histoire un peu de Bukowski, une des tranches de vie de Bukowski, ou est-ce que c'est un projet original qui vous a intéressé? Yeah, well, it really came as a surprise to me when the director Bent Hamer came to me to do the part, and I think part of the reason was because when I was much younger, when I was like 20 years old, I'd read almost all of his books and short stories, and you know I loved it because the irreverence, and that's what I really. Really loved about it. And now, you know, 20 some odd years later, this, I never thought of myself as ever that I would ever end up playing his alter ego. And then I started to read the poetry. And I felt that the poetry really gave me a deeper insight into who he was. And there was a more melancholy and just a deeper, more profound Bukowski there. Et c'est là qu'intervient Massoumé, Lady, que je vous présente. Je l'ai reçu comme une surprise, en fait. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Bent Hamer puisse m'approcher avec un tel projet. J'ai tout de suite été attirée parce qu'il se trouve que j'avais tout lu de Bukowski, tous ses romans, mais aussi toutes ses nouvelles quand j'avais 20 ans. Et que j'avais beaucoup aimé, notamment son irrévérence. Ça avait résonné en moi et ça m'avait beaucoup intéressé. Et quand il s'est agi vraiment de plus de 20 ans plus tard d'incarner son alter ego, c'est quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Je ne m'étais pas du tout projetée dans ce type d'incarnation possible, mais je l'ai fait en m'intéressant notamment à sa poésie. Et en lisant la poésie, j'ai touché à quelque chose de plus profond, de très mélancolique. Chez ce personnage qui m'a intéressé. Il y a aussi. Is that Jen? One other thing I'd like to say, just because I felt very, I was reticent to play him. I just didn't know, and so I had said to Linda Bukowski, who was the widow. Of Hank, I said, well, you know, this is like, well, I'm not really playing Hank. I'm not really playing Bukowski. And she said, oh, he really is Hank. He really is Hank. So then I was like, oh, okay. So I really have to go into this a little deeper. And what was great about him was that, there was plenty footage of him. So I got to really study his behavior and but it really was a combination of who he was
and who I think the character he wanted to project, which is Chinovsky, you know, Chinovsky. Et donc j'avais une certaine réticence quand même à incarner ce personnage-là, et je l'ai dit à sa veuve, à Linda Bukowski, j'ai dit mais je ne vais pas jouer Hank, c'est pas ça que je vais chercher à faire. Et elle a dit pourtant c'est bien ça qu'il était, c'est ce dont il s'agit, et j'ai pu, il y a beaucoup d'archives existantes de lui où on peut le voir, donc je me suis vraiment plongé dans ces traces-là qu'il avait laissées pour étudier sa posture, sa façon d'être. Et donc, le travail que j'ai eu à faire, ça a été une sorte de combinaison entre, d'une part, le Bukowski, d'autre part, cette projection de cet alter ego qu'il avait créé. Et nous parlerons d'ailleurs d'incarnation de personnages un petit peu plus tard, mais justement, en restant sur cette question-là d'être Bukowski, un critique de cinéma américain a dit que souvent vos rôles étaient à peine une version extrême de vous-même à certains moments de votre vie. Est-ce qu'on pourrait appliquer ce point de vue-là sur votre interprétation de Henry Chinaski dans ce film ? Well, to be honest with you, I don't always think of the characters that I'm playing as an extension of my life. I have to say, especially in that recent film I made with Lars von Trier. I like to play a character. I mean, the reason I became an actor wasn't because I wanted to be, you know, because I wanted to be on stage and I needed to be front and center. It was more because I wanted to kind of bring some truth that, you know, to the audience, to the viewer. Je pourrais, j'irai pas jusqu'à dire que c'était que les rôles que j'incarne sont des extensions ou des prolongements de ma propre vie. En tout cas, je ne peux pas le dire pour le dernier personnage que j'ai incarné pour le film de Lars von Trier. Mais si je m'interroge sur pourquoi j'ai choisi de faire ce métier-là, pourquoi j'ai choisi de devenir acteur et d'incarner des personnages, ce n'est pas tant pour monter sur une scène et être vu, être à l'avant, que pour finalement toucher une vérité et transmettre une vérité au public. On parle là de Bukowski pour ce film, Factotum, mais vous êtes aussi proche d'un autre auteur, une femme en l'occurrence, qui s'appelle Suzanne Heloise Hinton. Elle est l'auteur de Outsiders, de Rusty James ou encore de Tex. Est-ce que vous avez une relation particulière avec les auteurs, d'une façon générale, en tout cas ceux dont les romans sont adaptés pour le cinéma ? Well, you know, you mentioned S.E. Hinton, and I read, I think, all of her books at the time before I was an actor. And again, I was a terrible student in school. But I was an avid reader, you know. There were times when I would cut class and go to the library. And so I have had a connection, I think, with story and with character, you know, since a very young age. Oui, en l'occurrence, S.A. Hinton, j'avais lu tous ses livres très jeune. Je dois dire que j'étais un cancre. L'école, c'était vraiment pas mon truc. En revanche, ce que j'adorais, c'était lire. Donc, ça m'arrivait de sécher des cours pour aller à la bibliothèque et lire des livres. Donc, je suppose que ce qui m'attirait d'emblée, dès le plus jeune âge, c'était le goût des histoires et des personnages. Là, vous incarnez un personnage qui est l'alter ego de Charles Bukowski, mais si on continue dans l'incarnation de ce que c'est qu'être un personnage, en tout cas au cinéma, vous évoquez souvent la vérité du personnage et comment on la trouve sur le plateau. Est-ce que c'est cette recherche-là, au fond, qui vous attire encore et toujours dans ce métier ? Yeah, well, I really, that is the elusive thing that really is, that I get excited about. And it's like the study of human behavior. And so whenever, you know, I feel like I can connect with that. And it might be someone very different than myself, but there's something human about. I mean, even in this recent film I made with Lars von Trier, the character, yes, he's a serial killer. However, there is something that...
is maybe identifiable in many, many of us, which is the character is obsessive compulsive. You know, he's the guy who can't, he goes back into the room to check and see if he turned off the light. You know, I think a lot of us can identify with that. And so there were moments in that that I thought, wow, this is very real, very real. And you know, I look for that, you know, in this film, the one scene that I was really uncomfortable doing was the scene with Lily Taylor where he gets grabs and he's walking around with the diaper. You know, I was like, and then when I saw it, I said, okay, it works. And I felt okay with it. Oui, c'est certain que c'est vraiment ça que je recherche. Le sens de ce métier pour moi, c'est ça, c'est de me plonger dans une sorte d'observation et d'étude du comportement humain. Et c'est toujours cette approche que j'ai, c'est de chercher à comprendre dans quoi est-ce que je peux me reconnaître, qu'est-ce qu'il y a d'humain finalement au fond de chaque personnage. Et on peut trouver de l'humanité dans tous les comportements, dans toutes les caractéristiques des personnages, y compris le personnage que j'ai incarné dans le film de Lars von Trier. Même si c'est un serial killer, il y a quand même de l'humanité en lui. Et par exemple, ces tocs qu'il a, son côté compulsif, obsessionnel, bah, je crois que le fait que lui aussi retourne dans la pièce pour voir s'il a bien éteint la lumière, c'est quand même quelque chose qu'un certain nombre d'entre nous avons fait dans notre vie et en quoi nous pouvons nous reconnaître. Donc c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est de trouver ce qu'il y a d'humain chez chacun, dans chaque histoire, dans chaque comportement. Et dans ce film-là, Factotum, ce que j'ai trouvé quand même très compliqué, ce dans quoi j'avais du mal à me reconnaître, à me projeter, c'est dans la scène avec Lily Tyler où il se retrouve à se promener en couche. Ça, je me suis dit comment je vais faire ça, mais une fois que je l'ai vu, une fois que c'était fait, en fait, ça marchait bien. Vous faites toujours confiance aux réalisatrices, aux réalisateurs avec lesquels vous travaillez? Vous remettez en question parfois? No. Ah. No. However, that's the best. If you have a director that you trust, it's really important. And I think the reason being is you'll take more chances, you know. You'll go a little further, you know. And it's unfortunate that sometimes you don't really necessarily trust the director. However, with people like Bent, Lars von Trier, some directors I've worked with over the years, Gus Van Sant, there have been some very good filmmakers. And I think it has to do with taste, you know. You know, good directors are paying attention to what the character is doing and what the performer is doing with the character. Non, malheureusement, je leur fais pas toujours confiance. Et pourtant, c'est quand vous êtes en confiance que vous offrez vous-même l'interprétation la plus intéressante, que vous pouvez pousser un peu plus loin, que vous pouvez vous laisser aller un peu et offrir des choses plus intéressantes. Et c'est merveilleux. Quand on a cette confiance-là, c'est merveilleux. Et ça a été le cas quand même un certain nombre de fois dans ma carrière. Ça a été le cas avec Bent Hammer, mais aussi avec Lars von Trier ou Gus Van Sant. Dans ces situations-là, vous sentez que vous pouvez donner autre chose. Et je pense qu'en fait, c'est une question de goût, c'est une question d'attention portée par les grands metteurs en scène aux détails, à la façon dont un acteur s'approprie un personnage. Qu'est-ce qui vous amène, Matt Dillon, d'un film à l'autre? J'ai l'impression que vous avez un parcours qui parfois est assez en zigzag. Vous passez d'un film très commercial, très dans les formats hollywoodiens, à des films peut-être plus indépendants, plus risqués, plus difficiles, des rôles tragiques, des rôles comiques aussi. On pourrait, en passant d'un film à l'autre tout au long de la filmographie, se dire « Ah tiens, là c'est un rôle tragique, là non, là c'est plutôt drôle, là c'est du tragicomique, des films européens, des films américains. » Qu'est-ce qui guide vos choix? Parce que votre filmographie, elle est assez insaisissable. En réalité. Well, you know, listen, I think if I am especially good, if I'm good in a film, it's really because of the directors that I'm working with. And, you know, sometimes it doesn't always, you know, the opportunity, that doesn't always reveal itself. So, you know, I like to work, you know, I like to stay busy. Some films work more than others, but
I think because it's a director's medium, you know, it's really key that we have that to work with really good filmmakers, you know, if you can, you know. I mean, that's the first and most important thing. Je pense que si je peux être bon dans un rôle, si je peux vraiment donner le meilleur de moi-même et finalement faire quelque chose d'intéressant dans un film, c'est toujours grâce au metteur en scène. Donc ce que je cherche, c'est ça, c'est de travailler avec beaucoup de metteurs en scène dans l'espoir qu'il y en ait de très bons et qu'on puisse faire des choses très intéressantes ensemble. Et puis j'aime bien travailler, j'aime bien être occupée. Donc je continue cette recherche-là, un peu tous azimuts, dans l'espoir de tomber sur les bons et de faire des films qui soient bons. Comment est-ce que vous avez fait cette bascule entre le quasiment le child actor que vous étiez en 1979 avec Over the Edge, Violence sur la ville, le film de Jonathan Kaplan, qui est votre premier long métrage, plus tard les films avec Francis Ford Coppola, Outsiders notamment, avec cette pléiade d'acteurs qu'on connaît bien aujourd'hui, comme Tom Cruise ou encore Emilio Estevez ou Patrick Swayze, jusqu'à des films où tout à coup vous sortez un peu de cette post-adolescence et de cette jeunesse, et semble-t-il vous avez... une variété de rôles qu'on vous propose tout à coup qui change complètement de ce qu'on a pu vous proposer par le passé. Comment cette bascule-là s'est opérée ? Est-ce que vous vous êtes mis en retrait du business du cinéma ou est-ce que vous êtes, vous, allé chercher d'autres propositions pour ne pas rester enfermé dans un rôle ? Well, you know, when I start, the good thing about starting at a young age, that wasn't really a child actor. I mean, I was more of a teenager, wise ass, who thought he knew everything. But, you know what I mean? Yeah. But I mean, the good thing about it is you kind of get a head start in life and you kind of know where you're going and what you're doing. The thing that's hard is for me to look back sometimes and go, you know, it's sort of like maybe somebody who's an artist and they're looking at pictures that they did when they were in school and they go, ooh. You know, because, you know, I developed more. You know, I mean, you start when you're very young, not fully developed as an actor, but we're always growing. But I think it was good to learn on the job at a young age, but it's just that, you're learning on the job. And however, it was always very important for me, to me, is character and probably... At a younger age, the harder part for me was distinguishing between a film that was really a character study and then other films that were like a melodrama, you know? And some films, you really have to take things that aren't necessarily, you know, believable and make them believable, you know? And for me, it had to be real when I was younger, you know? And, you know, then you develop your technique a little more and you can, you know, you see the really great actors, they make things believable that aren't, they bring conviction to the performance. I'm sorry, my answers are a little long. It's okay. Je dirais pas vraiment que j'étais un enfant, j'étais une sorte d'adolescent attardé, mais c'est vraiment que le... Petit à petit, en fait, ça a eu du bon, le fait de commencer tôt, ça peut vous permettre de très vite prendre une direction et apprendre le métier dans le fond. Mais bon, c'est rétrospectivement qu'on a toujours un peu du mal à voir ce qu'on a fait à l'époque. On se dit, ah, ça c'est moi, c'est comme ça que je faisais à l'époque. Mais je pense que je prenais très à cœur tout ce qui m'était proposé. Et finalement, moi, j'avais le souci de la... De la véracité, de mettre vraiment quelque chose de vrai. Je ne distinguais pas ce qui était une étude de caractère d'un mélodrame. J'avais toujours ce souci de vérité, de faire prendre pour réel ce qui ne l'était pas forcément. Et c'est petit à petit, en apprenant le métier, en développant des techniques, que je commence maintenant à voir d'autres grands acteurs et me dire que les grands acteurs, finalement, c'est ceux qui apportent une force de conviction et qui rendent plausible ce qui ne l'est pas forcément. Qui sont les réalisateurs les premiers qui ont vu en vous votre potentiel comique ? Gary Marshall. Gary Marshall, I did a film called The Flamingo Kid. Right. And it was a comedy, and it was the first time I'd really done a comedy.
that was the first time, you know. Le premier, ça a été Gary Marshall avec qui j'ai tourné The Flamingo Kid. C'était la première comédie que j'ai faite. Ouais. Et qu'est-ce qu'il, comment vous a-t-il convaincu? How did he convince? Well, I mean, I had just worked with Coppola on those films, and at some point before I did that, I made a film, a small thing for television, called The Great American Fourth of July. It was like a... For PBS. Yeah, exactly, and it was very comedic. And so that's why they wanted me, not because of my dramatic work, but I was like, I don't know how they convinced me. They sent me the script, and I guess I was really right for the role, and I had my own doubts about wanting to do it, you know? But I'm glad I did, you know? It was something that, it was great, because it was, again, it was, for me, it was exploration of the character. And sometimes that came in conflict with what the director wanted me to do. Je ne sais pas comment ils m'ont convaincu. En tout cas, moi, je sortais des deux films de Coppola, mais eux, ils ne sont pas du tout venus vers moi pour ces rôles dramatiques. Ils sont venus peut-être parce que j'avais fait une toute petite chose pour la télé juste avant, qui s'appelait The Great American Fourth of July, et qui était comique. Donc, ils avaient vu ça, et je suppose, attirés par ce que j'avais proposé dans ce petit programme. Ils m'ont proposé ce rôle, et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Ça m'a intéressée, mais encore une fois, moi, ça m'a intéressée parce que c'était pour moi une façon d'explorer encore le personnage, ce qui m'a valu parfois d'avoir des conflits, d'avoir des frictions avec le réalisateur, mais ça, c'était une expérience intéressante. Et vous aviez peut-être, est-ce que vous aviez le besoin de casser votre image à un moment donné dans votre carrière en acceptant ce genre de projet? Well, I didn't really feel like I had an image. I did have an image. But, you know, I didn't want to have, like, an image that I was trying to project. And I just kind of embraced this character who was, like, a little more naive than some of the other characters I played. You know, he was, you know, a character who was, like, working in a country club and split between his blue-collar family, his working-class family, and these much more privileged people. And it was really fun. There were a lot of really good other actors to work off of. Moi, je n'avais pas du tout conscience d'avoir une image particulière. On ne peut pas dire que je l'ai fait en cherchant à projeter une image qui soit différente de celle qui s'était constituée. Ce n'était pas ça. C'est juste que j'ai pris avec plaisir en m'y plongeant ce personnage-là et je l'ai fait mien. J'ai trouvé intéressant l'espèce de conflit qu'il y avait à l'intérieur de ce personnage qui travaillait dans ce country club, de se sentir un peu hésitant, déchiré entre sa famille de la classe ouvrière et puis ces gens plus privilégiés par lesquels il était entouré. Et j'ai trouvé intéressant, et puis aussi le travail avec les autres acteurs du film, avoir à jouer ce personnage un peu plus naïf que ce que j'avais eu auparavant m'a paru intéressant. Il y a d'autres films pardon, dans lesquels vous jouez des personnages un peu plus naïfs. Il y a To Die For de Gus Van Sant notamment. Et puis il y a d'autres films un petit peu plus tard qui ont été des marqueurs aussi pour beaucoup de gens amoureux du cinéma. C'est Marie à tout prix en français, Something About Mary en anglais, dans lequel vous jouez le rôle de ce détective, le film des frères Farrelly. Lorsqu'on évoque ces deux films-là, il y a un sourire qui naît sur votre visage. Ça augure de quoi ? Because we had so much fun making that film. And, you know, again, you know, what I learned, you know, was that in comedy, you really can't avoid the character. You really have to kind of embrace the character and commit to that. It's really true. Of course, sometimes it gets in conflict with the joke, right?
there's the character, and then sometimes it's the joke, the gag, you know. But I really like doing comedy. What is it? I think Shakespeare said, comedy is the truth spoken. Well, that's really true. I think the reason we laugh when we see stuff is there's something that hits us that's very true to our lives. Mais je me marre parce qu'on s'est beaucoup marré en faisant le film. C'était vraiment un bonheur de faire ce film. Et je ne sais pas, il y a quelque chose, il y a une vérité dans le rire. Et encore une fois, moi, ce qui m'intéressait dans les comédies, c'était de m'approprier le personnage, de vraiment me plonger dans ce personnage-là et de le vivre, ce qui parfois pouvait entrer en contradiction avec le gag et avec le sens et la place que vous devez accorder au gag quand vous interprétez un rôle comique, mais le comique me touche. Je pense que c'est Shakespeare qui a dit que le comique, c'était la vérité dite, la vérité révélée. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous touche très, très, très directement. La vérité de nos vies se niche dans le rire. Le dernier film en date que vous avez tourné, qu'on a pu voir ici en Europe, et encore pas partout, c'est The House That Jack Built, le film de Lars von Trier. En 2019, pour cette année 2019, il y a deux films dans lesquels vous allez apparaître qui sont deux films européens. Un film de Til Schweiger, l'allemand, un film d'Alice Winocourt, la française. Est-ce que là encore, on assiste à une bifurcation dans votre carrière vers peut-être un cinéma plus européen, plus indépendant? Well, you know, I go make a movie anywhere if it's a good director and a great script or the opportunity for me to do something fresh. And, you know, I worked with this woman, Alice Winocourt, opposite Ava Green. And it was really interesting from the very beginning because it's something that I, again, you know, it was about the European Space Agency and, you know, modern, you know, astronauts in the modern world now. And it was really interesting to explore that, but the film is not about, you know, about space or about space exploration. It's really a personal film about, you know, astronauts here on Earth. It doesn't take place in space at all. And especially, it's really, my character is the very experienced veteran astronaut, and the conflict is between he and Ava Green's character, who's really divided between being a mother and then her relationship with her daughter, you know, here on Earth. And the, yeah. Anyway, I like doing that. I like, you know, I like playing characters you know, working with people from everywhere. I think the European experience is definitely a little different than what we do in the United States. I'm really giving these long answers. She's great. Oui, moi je peux aller n'importe où, du moment qu'il y a de bonnes histoires, de bons personnages, de bons réalisateurs. Je suis preneur et ça m'intéresse de renouveler l'expérience, de trouver de la fraîcheur dans ce que je fais. Et donc, en l'occurrence, ce film d'Alice Winocourt avec Eva Green a été une expérience très intéressante. C'est sur l'agence européenne, l'agence spatiale européenne. Mais c'est pas du tout un film qui se passe dans l'espace, c'est les astronautes modernes, mais c'est un film extrêmement personnel, intime, sur la vie de ces personnages. Et donc moi je joue un astronaute plus chevronné, et Eva Green est une femme qui est un peu déchirée par, d'une part, sa vie de mère, sa relation avec sa fille et sa vie d'astronaute sur Terre. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et je trouve en effet qu'il y a une saveur très différente, une façon de travailler très différente dans le cinéma européen par rapport à ce qu'on fait aux États-Unis. Mais alors en quoi c'est différent justement? Well, probably working in Europe is much closer to the types of independent films we make in the States. They work shorter hours.
It's really true. I mean, with Lars, forget it. I couldn't believe it. We worked. I was like, really? I get to go home now? You know, we make a film in the States, it's like 14-hour days, you know? And, you know, here, that's one thing. Yeah. I mean, you know, each film is a different experience, you know? And, but I think I like working over here. You got a job for me? C'est très différent. En tout cas, le cinéma européen est plus proche du cinéma indépendant américain, la façon qu'on travaille aux États-Unis. Mais ce que j'adore en Europe, c'est la durée des journées de travail. C'est très, très court. Avec Lars von Trier, je lui disais, mais t'es sûr, là, j'ai fini, je peux rentrer. Et c'est super. Aux États-Unis, quand vous tournez un film, vous êtes au charbon 14 heures par jour. Et ici, ce n'est pas le cas. Donc, si vous avez un rôle à me proposer, je prends. Est-ce que quelqu'un, j'imagine que oui, il y a des questions dans la salle, il y a des mains qui se lèvent un peu partout. Oui. Il y a un micro. Est-ce qu'il y a un micro baladeur là-bas? Oui, ouais, il y en a un. Ouais. Ok. No, I don't know who that is. So, you seem tired. Would you like a massage? I don't need one, thank you. Okay. Thank you. Oui, bonjour. Je suis là. Oui, bonjour. Vous avez personnellement réalisé un seul et unique film, City of Ghosts, en 2002. Vous avez dirigé James Caan, Gérard Depardieu et Bo Hopkins. Alors, je voudrais savoir ce que vous retenez de cette expérience, première partie. Deuxième partie, est-ce que vous voudriez la renouveler, cette expérience de mettre en scène? Et la troisième partie, c'est est-ce que vous avez un regard différent? Est-ce que votre regard de métier d'acteur est différent depuis cette expérience vis-à-vis des metteurs en scène? Merci. Well, I had a great experience making the film. You know, I think one of the things about you become much more compassionate toward the directors once you've had to do it. But I loved it, and you know, it was a film I spent a lot of time preparing and developing the script. So I was really grateful when we started to make the film. And I really lived it 24 hours a day. And it was an adventure, you know. I think for a lot of the people that worked on the film, they felt that way, and I was happy about that. And I'm quite proud of the film. Of course, I look back on it and I'd say, well, I might have done this, I could have done that, I might have changed this, but I'm quite pleased with it. A little bit bothered that right now it's hard to access because of streaming and everything's changed. Ça a été une très belle expérience pour moi de faire ce film. J'ai vraiment été très heureux, d'autant plus que ça a été un film qui a été long à monter, à préparer. Donc une fois qu'on a commencé à tourner, j'avais vraiment un sentiment de reconnaissance. C'était très heureux d'arriver à le tourner. Je crois que pour toute l'équipe, on a vraiment tous été très, très heureux de le faire. Et a posteriori, j'en suis plutôt fière. Je suis plutôt heureux, même si quand on le voit après, on se dit toujours, j'aurais pu faire ci, pourquoi j'ai pas fait ça. Mais quand même, je suis heureux du résultat final. Et c'est un peu compliqué aujourd'hui avec la diffusion, avec les histoires de streaming, tout est un peu compliqué. Mais je suis heureux de l'avoir fait. Et surtout, ce film, cette expérience m'a appris à avoir plus de compassion pour les réalisateurs. Oui, là-bas. Yeah, yeah. First, I hope I will not get a heart attack and not too many tremolos in the voice.
I would like to express my deep thankfulness for coming over here to attend this event. So this is just amazing to see you in real. Regarding Factotum, I am very happy. Strangely, I had never seen this movie before, and I like it very much. So now two questions. First, regarding the movie, was it hard, difficult, or maybe exhausting to repeat several times, I suppose, the first physical love scene? And it's a bit of a joke, but was it hard to play this the role? Which question do you want me to answer first? There's a lot of questions, I think. Just to say if it was hard or difficult to play this role. And second, I prepared a few pictures that I would be very, very glad if you could sign them. Is it acceptable for you? Thank you. Okay. We have another. I'm happy to sign anything. I don't, but that's not what I'm here for right now. I'm here to talk to you guys. So. So what's difficult? What's the role? No, I mean it really wasn't difficult. Again, because I trusted the director. I was working with a great actress, and it was what it was. It wasn't especially difficult. No. Non, ce n'était pas particulièrement difficile. Comme je l'ai dit, j'étais en toute confiance avec le réalisateur et entouré de très bons acteurs, donc pas de difficulté particulière. Une autre question, mais une vraie Sometimes cette fois. They can be. Parfois ça peut l'être. Ouais. Une vraie question sans de signature d'autographe ni demande bizarre. Merci. Oui. Yeah, hi, up here. Bonjour, je m'appelle Laurence. Je me rappelle à l'époque de Outsiders et Rusty James, on vous appelait souvent le nouveau James Dean et on vous comparait sans arrêt à lui. Est-ce que pour vous c'était plutôt un plaisir ou un poids, enfin une fierté? Qu'est-ce que ça fait d'être comparé à un acteur aussi mythique? Well, I never really took it to heart. I mean, I think it's one of those things that it's easier for people to label you in a very simple way, you know. So James Dean, I love James Dean. He made 3 movies and he was great. He's a great actor. I remember Dennis Hopper told me that he was the most talented person that he ever worked with. And that's saying something because Dennis had worked for so many decades, you know. But, you know, I didn't really believe that to be the case, that I was like the next James Dean or something. That was something that, I think it was more of a media thing, maybe. And to be honest with you, it was more here in Europe. They didn't say that so much in the United States. C'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment pris au sérieux. Bon, je crois que c'est toujours plus facile pour les autres, en l'occurrence les médias ou le public, de vous coller une étiquette, de vous réduire en quelque sorte à une image simple. Et donc ça a été cette expression-là, mais moi je ne l'ai jamais prise à la lettre. En l'occurrence, James Dean est quelqu'un que j'adore. C'est un très bon acteur. Il a fait 3 films et il est extraordinaire dans les 3. Et Dennis Hopper m'a dit qu'il n'a, de toute sa carrière, il n'a jamais travaillé avec quelqu'un d'aussi talentueux que James Dean. Et ce n'est pas peu dire venant de Dennis Hopper. Mais à part ça, moi, je n'ai jamais cru qu'il fallait comparer ce que je fais ou ce que je suis à James Dean. Et notamment cette expression, je crois qu'elle se disait plus en Europe ici qu'aux États-Unis. Vic Ramos, qui a été votre tout premier agent, a dit de vous, il a noté ça dans un carnet la première fois qu'il vous a vu, « should be a movie star ». Il y avait quelque chose, non? Well, he was actually my manager, it was not my agent, but, you know, and he was the casting director on Over the Edge, and he saw, he wanted to sort of manage a lot of the actors. He ended up managing myself and Vincent Spano, and you know, he might have felt that way. You know, he was a very interesting man. He grew up in Hollywood, and
So he had some really interesting references. And he also, he studied, he knew James Dean, he studied the method, and he was an interesting guy. And an excellent casting director before he became a manager. And one of the things he did was really open my eyes to the films of the past. And I remember he sent me up to the Thalia movie theater on 96th Street to see a double bill of a retrospective, but two older films, The Postman Always Rings Twice, and the other film was Thunder Road with Robert Mitchum. And that really kind of altered my view at a very young age with how I looked at cinema and actors and et cetera. Oui, c'était pas tout à fait mon agent, mais mon manager, mon impresario. En fait, c'était un très bon directeur de casting, extrêmement talentueux, qui ensuite s'est converti dans ce rôle d'impresario. Et il était, c'était lui un bonhomme très intéressant. Il avait grandi à Hollywood, il avait beaucoup de références, il avait connu James Dean. Donc, il était lui-même très inspirant. Et d'ailleurs, je dois dire que c'est lui qui m'a vraiment ouvert les yeux sur l'histoire du cinéma. C'est lui qui m'a appris à découvrir un peu le cinéma du passé, et il m'a conseillé notamment d'aller voir dans une salle de la 96e rue deux films qui passaient, deux vieux films qui passaient, d'une part Thunder Road avec Robert Mitchum et d'autre part Le Facteur sonne toujours deux fois. Et d'autres questions dans la salle, là-haut, je crois, non? Oui, ça fonctionne? Ah oui. Since you're already talking about other actors, from a Swiss point of view, I would like to know how it was to work with Bruno Ganz. I just loved Bruno Ganz. I loved working with him. And I had been a fan of his work. He made what was one of my favorite pictures that I saw when I was 17 years old. And it was called Black and White as Day and Night. And he played a chess player who loses his mind. And I was mesmerized. He was a great actor and a lovely person. And I had a great experience working with him. And I felt very much that we were, you know, we were both in this together. Excuse me, in this crazy film. And, you know, he was a real artist, and, you know, I stayed in touch with him, you know, while he was having, you know, through that difficult period, and, you know, he was just a really, a very interesting guy. He was more of a, he was, you know, a real man of the world, you know, interested in art and culture, and very, very intelligent. And he had an inherent quality, I think, on film. I think that he just had this great empathy. He had just a lovely, it just radiated through him. And it's probably just something that he was born with, you know. And I remember calling him, because he had seen the film before I had seen the film. And I didn't want to see the film. And Lars wanted me to see the film. And I was concerned that I would reject, you know, seeing myself play that character. And he said, I really like the film very much. And he told me, I think you'll be very proud of it. And he told me it was the most interesting thing he'd ever seen. And that was nice, because I really had a great time working with him. I mean, again, I know that Lars felt that way too. I mean, I think the first day he even said, I just can't believe I'm working with you, you know. He is a great actor, and he will be missed, you know, by so many people. And I just loved him. Whom I can do that with you? Oh. Lars told Bruno. Yeah, I know. Lars told Bruno he couldn't believe that he was working with Bruno. He was so excited. C'était un très grand acteur, et ça a été un bonheur immense de travailler avec Bruno Ganz. C'est quelqu'un que j'admirais déjà beaucoup. J'avais vu à l'âge de 17 ans un film dans lequel il avait joué qui s'appelait
Black and White is Day and Night, qui est où il joue le rôle d'un joueur d'échecs qui devient fou. Et j'avais toujours été fascinée par cet homme, par cet acteur. Et donc, travailler dans ce film avec lui, il y avait une espèce de complicité entre nous, comme on était tous les deux embarqués ensemble dans cette aventure un peu folle. Et c'était très, très rassurant de l'avoir à mes côtés. C'était un homme d'une grande culture, d'un grand intérêt pour le monde, pour l'art, pour la culture. Et on est resté en contact après le film, quand la période a été un peu difficile. On est resté en contact et notamment lui avait vu le film fini avant que moi je le voie. Moi, je ne voulais pas le voir, j'avais une espèce d'appréhension, j'avais peur de rejeter mon incarnation de ce rôle-là, mais il m'a dit « vois-le, c'est vraiment un très beau film et tu seras très fier de ce que tu y as fait, tu devrais le voir ». Et je me souviens encore du tout début, quand on commençait le tournage, Lars von Trier qui allait le voir en lui disant « je n'arrive pas à croire que vous travaillez avec moi ». Et ce qu'une espèce de qualité intrinsèque qu'avait cet homme, c'était un sentiment d'empathie qu'il dégageait. C'est quelque chose qui irradiait, qui émanait de sa personne et qui était aussi très, très présent dans le film. Donc c'est un très grand acteur qui nous manquera à tous. I feel very, very lucky to have worked with him, really. He was great, and he was, I mean, if I could say he was great in the film, I mean, beyond my expectations or anybody's expectations for that character. Je m'estime très privilégié d'avoir travaillé avec lui, et je pense vraiment que dans ce film, il a offert une interprétation, une présence qui a dépassé toutes les attentes pour ce rôle-là. Une autre question dans la salle. Oui. Bonjour. Oui, je suis là. En fait, je me demandais comment est-ce que vous avez commencé dans le cinéma, si vous avez fait une école de théâtre ou bien si vous avez fait beaucoup de casting avant votre premier rôle. Comment est-ce que ça a commencé vos tout débuts? Well, I actually didn't go to drama class or to acting school till after I made my third film. I was about 15, and I studied at the Lee Strasberg Institute, the Young People's Program, and it really served me. I didn't think it was doing anything for me at the time. But it really served me throughout my career. I mostly was like, I was like into the girls in class. That's what I thought it was all about, you know? But the work actually served me later on, you know? J'ai fait une école de théâtre, mais seulement après mon troisième film. J'avais déjà fait trois films, j'avais 15 ans, et je suis allée à l'Institut de Lee Strasberg dans le programme Jeunesse. Et je dois dire que sur le coup, je n'avais pas l'impression que j'avais pas grand-chose à y apprendre, à part traîner dans la classe des filles, je ne faisais pas grand-chose, j'étais là pour ça. Mais a posteriori, je me dis que ça m'a beaucoup servi, ce que j'y ai appris m'a servi. Une autre question ? Oui. Là, je ne sais pas. Bonjour et merci d'être là. Je crois savoir que vous avez d'autres activités artistiques à part le fait d'être acteur. Je crois que vous peignez, vous dessinez, vous faites de la photo. Et vous êtes fan de musique latino-américaine. Je me demandais si vous alliez prendre tout ça pour en faire peut-être un film ou un documentaire prochainement. Yeah, well, I actually, it's an interesting question because, you know, I do have other interests creatively, and I am working on a documentary that I'm very I'm very excited about it. Documentaries are a beast. They're very difficult to do, I found. And, you know, especially because this is kind of a personal documentary to me. It covers
it's a film that runs on two parallels, a personal story about me. Many years ago, I went and recorded and filmed the making of this record by this amazing performer who was Cuban, and he had been exiled living in Mexico City. And he was at age 77. He still was like this great, it was very interesting to see somebody, an artist at that point in his life when he had it all. He still had this gift, this great voice and this charisma, but you kind of knew that it was sort of not going to be something that he was going to be able to do much longer, you know? And throughout that telling of that story, we explore, you know, moments in history in Cuban music and this relationship with Cubans immigrating to Mexico. And so it's like a personal story, but it's also informative about history. And I think that's where it gets difficult and challenging, is bringing those two elements together. C'est une question intéressante parce qu'en effet, j'ai d'autres intérêts dans le domaine de la création et j'ai en l'occurrence un projet de documentaire sur lequel je travaille. Je dois dire que le documentaire, c'est vraiment très très dur, on en bave. En tout cas pour ma part, je trouve ça extrêmement compliqué de faire un documentaire. Mais en tout cas, ce projet-là, c'est un projet qui a une espèce de dualité. Il y a à la fois une histoire personnelle et puis une histoire qui traite plus de la grande histoire. Et c'est ce truchement entre les deux que je trouve très compliqué. L'histoire personnelle, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Je suis allée, il y a quelques années, filmer et suivre l'enregistrement d'un disque par un musicien cubain qui est exilé au Mexique. Et c'était passionnant de suivre cet homme-là, de voir cet homme qui, encore à 77 ans, avait, en ayant déjà tout vécu, mais avait encore cette force-là, cette sensibilité-là, cette voix et cette envie de créer, mais en même temps avec une conscience que c'est la fin, que bientôt il ne pourrait plus faire ce qu'il est en train de faire. Donc le personnage était très touchant et c'était très beau. Mais on a d'une part ce personnage-là, son histoire, et puis il y a les résonances entre cette histoire-là et la grande histoire, l'histoire de la musique cubaine, le lien entre le Cuba et Mexique avec tous les exilés. Donc je trouve très difficile en fait de faire ce va-et-vient, mais c'est en même temps ce qui est passionnant dans ce projet de documentaire. And just one, his name was Francisco Feove, but his stage name, the name that, you know, was used in, you know, that he was christened by the record label was El Gran Feove, the Great Feove. But he was a very modest man. And his importance and his contribution was he was the first Cuban scat singer. And he was a very innovative composer and performer, very unique. And he kind of created his own style of scat singing. It was very influential, part of a movement called the feeling movement, which borrows the English words for sentimiento. And it was a movement of young people, young, poor, disenfranchised Cubans who were influenced by American music at the time, jazz and things like that. And he was very much a part of that early music. And I think I feel very strongly it's important for me to see him get the recognition that he was worthy of. C'est un homme qui s'appelait Francisco Feove et la maison de disque lui avait comme ça accolé un nom de scène qui était El Gran Feove, alors que lui était un homme extrêmement modeste, très, très passionné par son style de musique. Ça a été le premier chanteur de scat cubain et il avait vraiment un style extrêmement innovant, extrêmement personnel, et il faisait partie de ce qu'à l'époque les Cubains eux-mêmes avaient appelé le feeling movement, puisque c'était un mouvement de la musique cubaine extrêmement ouverte au reste du monde, qui
qui s'étaient affranchis des limites qui étaient les leurs à l'époque et qui s'étaient ouverts notamment aux influences de la musique américaine et qui avaient créé comme ça une tonalité nouvelle dans la musique cubaine. Donc j'ai très envie de faire ce travail sur cet homme-là pour lui rendre aussi la reconnaissance qu'il mérite. Merci beaucoup. Question dans la salle. Oui, vous dehors, oui. Bonjour. Pour revenir à The House That Jack Built, je me demandais quelle était l'ambiance sur le tournage. Parce que le film, même s'il parle d'un serial killer, il est au final assez drôle, si on aime l'humour noir. Si on aime l'humour noir. Si on aime l'humour noir. Okay. So what was the atmosphere on stage? Because the film is the story of a serial killer, but it finishes on a very comedic, I mean, if you like black humor, on a comic tone. So how did you feel on stage? Well, you know, the film, the subject matter is dark, but the environment on the set was not at all that way. I mean, it was very creative, very collaborative, and everybody was really inspired. The thing I liked for me personally most about the film was the process and the way that in which we worked. You know, I think in this case, there was always the potential for failure because of the risks and the chances that we would take. And that was because the director, that's the way he liked to work. And because what ends up happening is when you're willing to fail, you're also willing to take chances. And that's where the moments come from in the film, and after all, that's what we remember when we see films, are those great moments. And I think that in a way he's gathering great moments together in the film. What's really important for an actor is to stay in the moment, and we sometimes come up with these ideas and schemes about what we're going to do with the character. And that all goes out the window when you're keeping it fresh by not rehearsing and just allowing what happens to come out of you. And that's because that's the way we worked. I don't know, it was a great experience in that way. I liked, it was very creative. Oui, en effet, le sujet est un sujet extrêmement noir, mais l'ambiance ne l'était pas du tout. On était dans une atmosphère très inspirante, très, très créative, très, très collaborative, tous ensemble. Et ce que j'aime beaucoup dans la façon de travailler de l'art, c'est qu'il y a toujours un espace, un droit à l'erreur. On a le droit de se planter parce que c'est uniquement en s'octroyant ce droit-là aussi qu'on prend des risques, qu'on se met en danger et que donc on peut offrir des choses qui créent la surprise et qui créent l'instant. Je crois que ce qui reste dans les films, quand on les voit, ce que nous gardons des films, ce sont ces instants-là. Et finalement, lui, les films qu'il fait, c'est un enchaînement d'instants. Il sait recueillir ces instants-là et les regrouper. Et c'est très intéressant de vivre ça comme méthode de travail parce que vous avez, avant d'y aller, toute une série d'idées, toute une série d'intentions dans votre incarnation, dans l'interprétation que vous allez proposer. Mais étant donné qu'avec lui, il n'y a pas de répétition, vous arrivez et finalement, vous vous lancez, vous vous jetez à l'eau et toutes vos idées préalables finalement disparaissent. Et c'est ce qui crée ces instants-là où on est nous-mêmes surpris. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé très intéressant cette façon de travailler. Pour aller un petit peu plus loin sur cette question-là, est-ce qu'il est vrai que Lars von Trier, après une dizaine de prises, une fois que vous aviez la bonne prise, vous disiez « on casse tout, on refait tout et on change complètement de direction ». I mean, I think sometimes we would do that before 10 takes. You know, he'd say, are you ready to fuck it up? I said, let's go for it. I mean, because early on we talked about, you know, trust. And he said, why don't you try trusting me? I mean, that was before we started shooting. Not that I intended not to trust him. However, the first thing I thought is that's a really
simple request, and it's really valid and good. And you know, I never saw a bad performance in his film, so why shouldn't I trust this man in spite of his crazy films? Which I like. Yeah. Oui, parfois ça arrivait avant la dixième prise quand même, mais effectivement, il venait me voir en me disant, maintenant, est-ce que t'es d'accord pour tout faire foirer, quoi, partir complètement dans autre chose. Et je lui disais oui, mais finalement, ça s'est traduit par quelque chose de très simple en amont. Avant qu'on commence le tournage, il m'a dit, mais est-ce que tu ne veux pas me faire confiance? Et je me disais, bah oui, je vais lui faire confiance. Je n'avais pas l'intention de ne pas lui faire confiance. Je trouvais que finalement, sa demande était une demande très simple. Mais je pouvais y répondre dans la mesure où je n'avais jamais vu de mauvais jeu d'acteur dans ses films. Même s'il a fait des films complètement dingues que j'aime beaucoup, les acteurs, ils sont toujours bons. Donc j'avais raison de lui faire confiance. Est-ce que vous avez toujours une gêne à évoquer le personnage que vous incarnez dans The House That Jack Built? Dans quel film? Dans The House That Jack Built, le film de Lars von Trier. Est-ce que are you embarrassed in talking about the character of Lars von Trier? Which character? This one, Lars von Trier film. Oh, of Jack? Well, I wouldn't say I'm embarrassed. I don't think it was embarrassment. I wouldn't say I'm embarrassed. It's a character, you know, and it certainly was. It was an adventure, you know, making it. But I wouldn't say I'm embarrassed. No. Non, c'est pas de la gêne. Je dirais pas que j'étais gênée. C'est un personnage, après tout. C'était une aventure, ce film, mais c'était mon personnage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, là-bas. Which two or three films that you've made you're most proud of, and importantly, why? Which two or three films? Well, obviously the film that I directed, City of Ghosts, is the top for me, because that was the film that I made, and it was, yeah, I mean, it was an accomplishment to get it made, to get it out, and so that was very, very, I'm very proud of that. And, you know, I like to think that a lot of my best work is in front of me, but, I mean, I really like this film, you know? It's a small movie, we did it for very little money. I like this director, and I like the actors I worked with. You know, so I really like this film, and because I think it surprised me, you know. There's some things that I'm proud of that I did, but not necessarily the film. I mean, maybe the film is flawed, but, you know, my work. I did a film called The Saint of Fort Washington, which about three people saw, where, you know, I played a homeless guy, and with mental issues, and that was really interesting. It was called The Saint of Fort Washington, with Danny Glover, that I made. Je crois que le film dont je suis le plus fier, c'est celui que j'ai réalisé. Encore une fois, ça a été très, très dur à monter, à faire, et donc c'est un accomplissement dont je tire une certaine fierté. Après, en tant qu'acteur, j'ai toujours envie de croire que le meilleur reste à venir, et que je ferai des rôles et des choses encore mieux que ce que j'ai pu faire, mais je dois dire que je suis très content, par exemple, de Factotum. C'est un film, comme je l'ai dit, qui m'a surpris. On l'a fait avec 3 francs 6 sous, mais c'est un très grand réalisateur. J'étais entourée de très bons acteurs, donc là, j'ai pris beaucoup de plaisir, mais il y a d'autres films comme ça, par exemple un film qui a dû être vu par 3 personnes où je jouais le rôle d'un sans-abri avec des difficultés psychiatriques. C'est un film qui pour moi a été extrêmement important, donc c'est le souvenir qu'on en garde aussi. Une toute dernière question, parce qu'on va bientôt mettre fin à cette discussion. Là, vous êtes à Lausanne, en Suisse. On vient de parler un petit peu de ce film qu'on a vu cet après-midi. On a évoqué quelques
points de votre carrière. Qu'est-ce que ça vous apporte au fond de venir parler de tous ces films dans lesquels vous avez joué? De quelle façon ça résonne encore en vous après, peut-être pour le film suivant dans lequel vous allez jouer? Ces questions que l'on vous pose sur votre jeu et sur votre métier. Au-delà des propositions de massage et de photos bizarres. Yeah. You know, I mean, for me, it's I like to talk about my work, my career, just because, you know, because I've been doing it for a long time, so there's a lot to talk about. So I'm happy to talk about that. And you know, what's also good is sometimes you discover things. I mean, I'm not going to give you an example right now, but you discover things that, you know, that you can take going forward and just having a dialogue about. Moi, j'aime bien, j'apprécie de parler de mon travail, tout simplement, parce que ça fait longtemps que je travaille, donc il y a beaucoup à dire. Et c'est intéressant pour moi d'en parler, notamment parce que je peux encore y découvrir des choses. C'est parfois dans le fait d'avoir un regard extérieur et d'avoir à l'exposer aux autres qui vous apprend des choses sur vous-même, même si je ne vais pas vous donner d'exemple précis maintenant. Merci Matt Dillon, merci d'être venu nous voir et de nous avoir consacré ce Thank temps. You. Merci beaucoup. Et merci à Masoumé Laïdji pour la traduction.